En fait, ça veut dire temple du dragon du paradis. Genre Temple of the Heavenly Dragon. Donc on est dans le Sagan, dans le quartier Sagano de Tokyo, de Kyoto. Il a été construit en 1339 par le shogun encore Ashikaga Takoji. Il est encore plus vieux que le Sensoji celui-là. 1300, Sensoji c'était 1600 non? Bah oui, parce qu'en fait l'empereur est passé de Kyoto. Parce que oui, ils étaient à Kyoto à la base, parce que Kyoto c'était l'ancienne capitale en fait, Kyoto. Et après le shogun, un autre shogun, il a décidé de dire la capitale c'est Tokyo et plus Kyoto. Alors le site il a été occupé avant par un autre temple qui s'appelle Darinji au 9e siècle. Et ça a été le premier temple zen du Japon. Au 13e siècle, il y a un empereur Kameyama qui a construit une villa sur la ici. D'ailleurs, c'est immense, on le voit. Hein. C'est une villa, c'est clair. Et son petit-fils, avec son petit-fils, qui a été élevé ici et éduqué ici. À la base, c'était une villa. Et après, justement, le Ashikaga Takoji, là qu'on a dit au début, il a converti la villa en un temple zen. Oui, ben ça va.
Ah, il mange pas la peau. C'est fou. Ah ouais, d'accord. Regarde, il mange. Il lui a piqué le morceau, j'en reviens pas. Viens, voilà. Il est là. Je vais lui donner non. Il les prend tous. Tu peux même pas manger, lui. On fait la gueule après déjà. T'arrêtes ? Ouais. Toujours se faire nettoyer le cul. Voilà. Toujours le même principe de porte coulissante. La salle de bain. Donc une partie évidemment. Lavabo. Et le sol. Et c'est des bambous. Le sol, c'est des bambous. Et la bonne salle de bain. Salle de bain. Avec la baignoire. Ici on sait pas. Si en fait c'est le seau dont je parlais. Ouais, voilà. C'est ça. C'est un seau pour se verser le seau. Parce qu'en fait on peut foutre de l'eau partout. Ici elle sera évacuée, ça c'est fou. Et très bien pensé pour le coup. Et ensuite, moi. Vous, voilà, et elle,
affreux. Le plan, pas toi. La chambre. Avec donc les deux futons. J'ai pas compris les trous dans le drap, dans la housse. Je ne sais pas. Je sais pas. La table. Avec les chaises, donc même le sol. Ouais, genre, difficile à s'asseoir dessus, mais un kiff. Bah, difficile parce que le lit est juste derrière, mais sinon on peut s'asseoir facilement. Voilà. Et là on peut préparer un bon thé matcha si on aime ça. Il est actuellement minuit, personne au kiff total. Alors pour ceux qui n'ont jamais testé les bains japonais, c'est vraiment un truc de malade. Le faire à plus à personne, je pense que pour ceux qui sont un peu gênés par rapport à leur corps et tout, c'est vraiment un truc de ouf. Et franchement, faut l'essayer. Direct, dès que vous avez l'occasion, essayez un. Je crois que c'est Ondion Sen, si c'est pas ça, je vais avoir l'air con, mais si c'est ça, donc je le laisserai au montage. Et donc voilà, les bains japonais, c'est vraiment un truc de fou. Là, je posais le téléphone, je kiffe encore une dizaine de minutes. Là, on a. En fait, pour l'anniversaire d'Eve, je lui avais offert une nuit ici, dans un ryokan de Kyoto. Donc le ryokan, pour ceux qui savent pas, c'est une résidence, enfin, un hôtel. Traditionnel japonais. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche pour qu'il y ait la marque pour qu'on la fasse de la pub. Matsui Onkan, c'est ici. Voilà. Que pour l'instant on conseille sans difficulté. Juste un. C'est une claque. Voilà, c'est ça, c'est cher. Une claque de tradition. Ouais. C'est pas le plus cher des ryokan que j'ai vu, mais c'est un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment. Juste magnifique. C'est genre, si on aime la tradition japonaise, si on a vu des films japonais. Moi j'ai l'impression d'être dans un film. Je suis rentrée, on devait enlever ses chaussures. Quelqu'un qui nous accompagne, genre carrément jusque dans l'ascenseur. Enfin, c'est. Ils nous ont accueillis déjà, on est rentrés dans le ryokan. On a été accueillis avec. De thé. Le deux thé matcha frais avec des citrons sucrés. Devinez qui l'a pas bu. Ouais, je peux pas, ça me. Je m'y habitue. Il faut s'habituer. La glace est dégueulasse. Ça peut être bon, mais. La glace est dégueulasse. Le matcha chaud, j'aime bien. Et là, c'était un matcha froid, mais sucré et avec un citron. J'ai bien aimé. C'était frais. J'ai bien aimé. Il y avait des chocolats entourés de matcha avec dedans du chocolat. Voilà, faut tout de suite le croquer parce que sinon c'est dégueulasse. Faut pas le sucer. Ouais, non, pour le coup, là, oui, c'est plus. Et il y avait des petits morceaux de gâteau fromage très bon. Ça avait un goût de vache qui rit. Meilleur quand même. Non, un petit coup de vache qui rit quand même. Ouais, mais c'est super dégradant de dire ça. Mais en tenue d'ailleurs, grâce à. Dans la chambre, on a les tenues. Les yukata. Et en fait, dans l'hôtel, on peut se balader comme ça. Et on peut. Il y a aussi un set de yukata qu'on peut mettre dehors. Voilà, on en a deux. On en a un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. Ah oui! Autre chose dans la journée très important. J'ai cherché partout cette foutue boisson litchi. Une boisson Metz. J'avais vu dans le métro quelqu'un avec une boisson, c'était écrit Metz et il y avait un litchi et ça avait l'air tellement bon et je l'ai cherché partout. Le seul endroit où je l'ai trouvé à Kyoto près dans de le Dupont. Dans un truc très touristique. Près du pont. Non, c'était avant. Si c'était près du pont quand on a acheté les trucs à la mangue là. Oui. En et ben voilà. Après, ouais. Juste là-bas un distributeur. Juste à côté du pont qu'on doit traverser en fait pour aller voir les singes. Le pont qui était le. On va regarder tout de suite. Bah oui, évidemment. En japonais. C'est un pont en japonais, voilà. Le pont Togetsu. Oui, voilà. Genre, tu savais. Non, je dis oui, voilà. Bon, en tout cas, le pont Togetsu. Avant de passer ce pont, si vous voulez cette boisson que je conseille, super bonne parce que les goûts litchi, mes vrais goûts litchi, hein, ça sent le litchi, quoi. Genre, la boisson s'appelle Metz, boisson gazeuse, goût litchi. Magnifique. Parce qu'on en a essayé des boissons dégueulasses. Voilà, oubliez les singes. Et puis juste avant, on avait pris le boisson avec la glace pilée là, mangue. T'avais pris, moi j'avais pris une glace vanille classique. Oui, bah oui, voilà, t'as rien essayé toi. Et donc voilà, fin de journée, demain on se lève très tôt, donc on va aller se coucher. Et puis on est en yukata. Non, yukata.
Et voilà, donc on va aller se coucher. Et puis on se donne rendez-vous demain. Crevé. Crevé. C'est cool.